Salut à tous et bienvenue sur GameOnie. Merci à vous de nous rejoindre. Vous êtes bien sûr sur GameOnie30.fr pour votre rendez-vous de jeux vidéo et de culture geek, hein, c'est toutes les semaines. Vous nous rejoignez également sur Twitter, sur Facebook, vous pouvez nous écouter directement sur le site, nous télécharger, nous écouter sur YouTube. Et si ça vous fait rêver, on est également en direct, hein, tous les lundis de 21h à 22h sur Radio Campus. Clermont-Ferrand, ce soir, nous avons un programme sympathique. On commencera avec un petit sujet sur Ratchet & Clank. Hein. Et ouais, je vous en parle jamais de ce jeu-là, c'est sûr. Ouais, c'est nouveau. C'est nouveau, ça vient de sortir. Ratchet & Clank, on vous dira quelques petits mots sur ce qu'est la série. Pour ceux qui ne connaissent pas, évidemment, on va vous la faire connaître. Mais c'est vrai que notre exclu, j'ai envie de dire, de ce soir, c'est que... On va vous parler du film d'animation qui va sortir donc cette semaine, mercredi 13 avril, et que nous avons pu voir en avant-première. Alors rien de spécial, hein, c'était juste une avant-première pour tout le monde, mais disons qu'on est assez content de l'avoir vu, et donc on va vous en parler dès ce soir. Est-ce qu'il faut aller voir ce film ou non? Mais pour ça, nous avons Squeezie sur le plateau. Salut Squeezie. Salut, c'est Squeezie. Il le fait bien. Il le fait super bien. Allez, tu gardes cette voix pour toute l'émission. Ouais, non, je pourrais pas. Donc le film, c'est que Ratchet & Clank, parce qu'il y a notre ami Stéphane, monsieur FF, qui a dit ouais, j'attends pas trop le film, tout ça. Allez voir le film. J'ai vu qu'il y a plein de monde qui sont fans de Ratchet & Clank, qui voulaient pas aller voir le film. Je sais pas pourquoi, et je trouve que c'est des raisons parfois un peu bêtes. Allez voir le film, c'est fait par les créateurs. Y a rien de honteux à ça. Donc on va revenir sur le film, et évidemment, on parlera, c'est le jeu de la semaine, de Quantum Break, qui est sorti sur Xbox One et sur PC la semaine dernière. Voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais Pierre-Marie n'a pas encore dit son mot. Donc voilà, tout le monde ferme sa gueule dans le monde entier. Voilà, Pierre-Marie va parler, ok? Pierre-Marie, ça va? Ça va, ouais. Je me sens glorifié par cette présentation, putain. En parlant de putain, Nicolas est avec... Bonsoir. Toi aussi, tu te sens glorifié. Oui, ah, ma petite salope. Je crois que Nico ne s'attend jamais à la façon dont tu le présentes, en fait. La surprise est renouvelée à chaque émission. La surprise est totale. Avec toi, Nico, on parlera donc du film, parce qu'on l'a vu, on a vu tous les deux comme des PD. Et voilà, tout est dit. Voilà, on va pas tergiverser plus longtemps, ça veut rien dire ce que je viens de dire. Si. Merci. On va lancer. On embrasse, pardon. Non, si on embrasse ceux qui nous écoutent, notamment Mathéo qui aime bien, vous savez, rajouter du vice sur le fait qu'on aime Final Fantasy. Oui, il nous a mis deux liens de vidéos. Il nous envoie des vidéos de gameplay de Final Fantasy XV comme si on n'en parlait pas assez. Et bah, grâce à toi, Mathéo, on va en parler à toutes les émissions jusqu'à sa sortie. Je pense que c'est un jeu qui doit attendre lui aussi. Enfin, J'espère. Sinon, il nous aime beaucoup et ça nous fait plaisir. En tout cas, tous vos commentaires, bons ou mauvais, franchement, nous font vraiment tous plaisir. Donc, bah, continuez vraiment. Franchement, cette fin de saison, avec vous qui nous écoutez, c'est franchement que du bonheur. Franchement, on vous adore. Merci Mathéo, merci Stéphane et tous les autres qui nous écoutent. Merci infiniment. Allez, c'est le moment de lancer la 108e émission de GameOnie. Et pour commencer en beauté, donc cette semaine sort le film Ratchet & Clank, mais aussi et surtout le jeu sur PlayStation 4. Et pour ceux qui voudraient commencer par ce titre, ils auraient raison, puisque c'est un reboot de la série, donc pas la peine d'avoir fait tous les autres d'avant pour faire celui-ci. Et bien on va quand même vous raconter qu'est-ce que c'est Ratchet & Clank. C'est notre sujet de ce soir. We'll be right back.
Ratchet & Clank. Vous avez dû comprendre, moi j'en suis tombé amoureux il y a quelques années de cette licence. Alors Ratchet & Clank, avant de s'envoler pour l'espace, ils se sont déjà côtoyés aux États-Unis dans le studio de jeux vidéo Insomniac Games, studio qui a été fondé en 1994 et à qui l'on doit leur première réussite. On la doit sur la première PlayStation. Alors c'est un studio indépendant mais qui travaille très souvent pour Sony et pour leur PlayStation. Et donc, comme je disais, leur premier jeu à se faire connaître, c'est même trois jeux, c'est une trilogie, c'est Spyro le dragon, ce dragon violet qui à l'époque était une véritable mascotte de la première PlayStation, au même titre que Crash Bandicoot de Naughty Dog. C'était une vraie réussite et c'est comme ça qu'ils se sont fait connaître et reconnaître. Avec l'arrivée de la PlayStation 2, ils ont décidé de changer de licence, c'est là qu'arrive Ratchet et Clank. Alors, dans ce duo, on a d'un côté Ratchet, qui est un espèce de mélange entre un chat et un fennec, qui est un mécanicien qui vit sur sa propre planète, et qui en plus de ça, eh bien, il est fan de super-héros, notamment les Rangers de l'espace, dont fait partie le Capitaine Quark, qui est aussi un personnage emblématique de la saga. Capitaine Quark, voilà, un espèce de gros tas de muscles dans sa combinaison verte moulante, qui est un tout petit peu prétentieux, tout petit peu. Légèrement. Et d'autre côté, on a évidemment Clank qui est un tout petit robot qui est alors pas très fort, pas très agile, mais qui est super intelligent et qui surtout a de super gadgets pour nous aider. Et en plus, il est tout mignon avec ses gros yeux verts. Ratchet et Clank, eh bien, ils vont tous les deux s'unir, enfin, s'associer plutôt, pour combattre le mal qui régit la galaxie, parce qu'il y a des grands méchants qui veulent faire des trucs bizarres dans toute la galaxie. Et donc Ratchet, ce mécanicien, va s'aider avec Clank, qui est très intelligent, pour aller combattre les méchants dans toute la galaxie. Ça va être l'occasion pour nos deux héros, eh bien, de visiter de nombreuses planètes au cours de leur périple, puisqu'on est vraiment dans un univers de science-fiction. On a notre propre vaisseau spatial et on va aller de planète en planète. Du coup, c'est vrai qu'on va avoir des jeux qui sont très 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 dépaysants et du coup très très plaisants. Alors, pour parsemer nos voyages, on va être sur un jeu de plateforme action. Alors, peut-être même plus action que plateforme. On va jouer surtout Ratchet. Ratchet qui va combattre ses adversaires à l'aide de sa clé à molette. Eh bah oui, mécanicien oblige, hein. Le mec, il n'oublie pas ses origines de chez Peugeot. Et il va aussi avoir tout un arsenal. Alors, très riche, mais tout aussi bourrin, jouissif que drôle. Il a vraiment un arsenal qui est très très éclectique. Ça va de l'arme, le va-t-en-guerre qui va envoyer des missiles en rafale, jusqu'au... Comment s'appelait ton arme à toi là? Le truc qui transforme en cochon, là, ouais. Je sais plus le ouais, nom. Le cochonisateur. Ouais, dans chaque épisode, il y a une arme qui transforme les ennemis en animal. Donc, voilà. Sera en mouton, en cochon. Et en fait, c'est ce qui a fait une des réussites du jeu, c'est vraiment tout l'armement complètement loufoque qu'on obtient au fur et à mesure des épisodes. Moi, une des armes que j'adore, c'est le Groovitron. En fait, ça lance une boule à facettes. Dans les airs, en fait, tous les ennemis se mettent à danser en dessous. Ça me fait rire, je pourrais regarder ce truc-là pendant des heures. Donc c'est ça qui fait la réussite de Ratchet, c'est déjà ce côté très humoristique. Donc c'est aussi l'alliance entre Ratchet et Clank, parce que Clank, en fait, va se fixer au dos de Ratchet et va l'aider. Alors Clank, il a des petites hélices qui lui sortent du corps, donc ça va l'aider pour voler, pour planer et pour même faire plein d'autres choses. Clank est même là pour résoudre de nombreuses énigmes. Donc le duo inséparable va voyager de planète en planète pour affronter leurs adversaires, des nombreux boss au sein du jeu, le tout dans des univers qui sont un peu ça très colorés, très vivants, avec beaucoup de détails. Et au fur et à mesure que les épisodes vont arriver sur des nouvelles consoles, ça va être encore plus beau, plus riche, etc. Les armements, comme tu dis, sont là aussi complètement loufoques, et il y a énormément d'humour déjà entre Ratchet et Clank, les ennemis qui sont débiles, les méchants qui sont débiles, le Capitaine Quark qui est le débilitus planetus du monde de Ratchet et Clank. Et tout ça va vraiment faire un univers détonnant. Alors, Ratchet & Clank, il y a de nombreux épisodes qui sont sortis. On va pas tous les énumérer un par un, ça serait évidemment très très long, ça faudrait une émission entière. Voilà, il y a une première trilogie sur PlayStation 2, il y a un premier épisode spin-off qui s'appelle Gladiator, il y a même eu deux épisodes supplémentaires sur PSP qui sont l'un d'entre eux, en plus ça est très réussi. La série va même débarquer sur PlayStation 3, et c'est à ce moment-là, en tout cas pour ma part, que je vais remarquer tout le potentiel de Ratchet & Clank pour devenir un film d'animation, parce que, eh bien, visuellement, quand on arrive sur le premier épisode PS3, c'est superbe. Véritablement, là, la série prend, voilà, commence à prendre vraiment toute la mesure de sa puissance par le visuel, parce que tout son gameplay, tout ce qu'on a dit, va être calibré sur chacun des épisodes.
Voilà, il y a de bonnes durées de vie, il y a des petits trucs en plus, tout ça. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est vraiment le visuel qui, pour moi, va vraiment m'impressionner dans la saga, en plus de l'humour décalé, en plus des armes à gogo, et puis du dépaysement total, et surtout d'un excellent rythme, parce qu'on fait beaucoup de choses dans Ratchet & Clank. On utilise aussi bien Ratchet que Clank pour diverses tâches. Donc c'est très diversifié, on s'ennuie jamais hein, dans ces jeux-là, c'est ce qui fait l'une des réussites du titre. La série va continuer et va même toucher du doigt l'excellence avec l'épisode Ratchet & Clank A Cracking Time, sorti en 2009 sur PlayStation 3, va même s'essayer au véritable multijoueur avec l'excellent All for One. On l'a fait tous les trois, on s'est éclaté. Ouais, on a des belles barres de rire. Exactement, vraiment, je le conseille à tous ceux qui veulent y jouer. Et il y a eu un épisode. C'est mon seul jeu Ratchet & Clank auquel j'ai joué. Mais tu n'oublieras j'en pas. J'en garde un très bon souvenir. Voilà ce que tu as fait avec nous. ça va même jusqu'à aller à un épilogue, donc Ratchet & Clank Nexus, qui est sorti en 2013, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, c'est vrai qu'avec tout ce cocktail, c'est-à-dire eh bien, des graphismes qui sont super beaux, des univers vraiment parfois enchanteurs ou très futuristes, en tout cas avec énormément de détails, entre le charisme des personnages qui sont franchement pour ma part super attachants. Je veux dire, Ratchet et Clank, ils ont tous les deux des super bonnes bouilles. Quark qui est super drôle. Bref, en plus, voilà, tout cet humour, même les méchants, hein, le méchant principal de la série, Kenefarius, c'est un des méchants les plus débiles et les plus drôles que j'ai vu, en tout cas dans ces univers qui se veulent très bon enfant. Les armements qui sont complètement fous. Pour moi, Ratchet & Clank, ça ne faisait pas l'ombre d'un doute, avait tous les éléments pour devenir un film d'animation. Et du coup, hier matin, parce qu'il fallait se lever tôt pour aller le voir en avant-première, hier matin, c'est presque un fantasme. Un petit rêve qui s'est concrétisé avec l'arrivée de Ratchet & Clank, le film qui sort donc le film d'animation qui sort donc le 13 avril au cinéma. On a pu le voir. Est-ce qu'il faut aller le voir? Évidemment que oui, bande de bâtards. Mais on va vous dire pourquoi tout de suite. Think I can fly. Think I can fly when I'm with you. Runaway, Ratchet & Clank, c'est enfin sorti au cinéma. Alors, c'est marrant, je vous avouerai, donc il y a des gens qui vont aller le voir, j'espère. En plus, ça tombe sur des vacances scolaires pour certaines zones. Ce qui est marrant, c'est que j'ai regardé sur les forums comme ça, il y a des gens qui veulent pas aller le voir, enfin qui aiment Ratchet & Clank, qui veulent pas aller le voir. Je comprends pas du tout le délire. C'est pas un produit juste marketing, c'est un vrai film d'animation qui est fait par les créateurs du jeu. Alors il y a évidemment d'autres studios qui viennent là, parce que un film d'animation, c'est pas non plus un jeu vidéo à faire, c'est très différent. Mais il n'empêche que c'est bizarre, il y a des gens qui veulent pas aller le voir. Allez le voir, franchement, c'est voilà. Évidemment, c'est, pour moi, j'ai trouvé que c'était réussi. On est sorti de la séance d'une heure et demie avec la patate, avec la banane. Ça nous a fait beaucoup rire. Alors, vite fait, l'histoire de Ratchet & Clank. Alors, il faut savoir que tout le monde peut le voir parce que ça revient aux origines comme le jeu. Hein. Tout le monde pourra jouer au jeu. Il n'y aura pas besoin de faire les autres épisodes pour comprendre. Voilà. Donc, comme tu disais, ça reprend l'histoire du tout premier Ratchet & Clank de la PS2 avec quelques différences. Qui est sorti en 2002, pour être exact. Avec quelques différences tout de même. Donc, ceux qui ont fait le jeu seront surpris de voir qu'il y a des trucs qui changent tout ça. Donc, le héros, donc c'est Ratchet. C'est un long bax. Une espèce de créature qui ressemble un peu à un félin. Ouais, un petit peu. Ouais. Voilà. Et donc, il est mécanicien, mais son rêve, c'est d'intégrer les Rangers Galactiques, qui sont commandés par le Capitaine Quark, pour vivre des aventures dans l'espace et être un héros. Bah, il s'ennuie un peu de son quotidien. Et un jour, les Rangers Galactiques viennent sur sa planète, la planète Veldin, pour faire un casting, recruter un nouveau membre de leur équipe. Donc, Ratchet se présente, il se fait jarter. Direct. On lui explique, Quark lui explique qu'il n'est pas assez fort, qu'il peut être un héros, mais que s'il ressemble à Quark, quoi, en gros. Voilà, et puis Ratchet a un passif un peu douteux de son truc de mécanicien. Il a récupéré des trucs pas très nets. Il y a une histoire d'explosion du continuum avec son instant, un truc comme ça. Voilà.
C'est un mini terroriste de l'espace en fait. Et donc alors qu'il est tout tristouné de pas avoir été choisi, il va voir un vaisseau se scratcher pas loin, non loin de l'atelier où il bosse. Et à l'intérieur de ce vaisseau se trouve le petit robot Clank. Exactement. Clank explique que on le voit même. Oui, on le voit avant se faire fabriquer. C'est enfui en fait d'une usine de robots parce qu'en fait il y a quelqu'un. Alors je sais pas si tu te rappelles du nom c'est de cette Drake. Drake, merci comme Nathan Drake. Drake, c'est quelqu'un qui a vécu dans sa planète dans les sous, enfin voilà, sous terre. Vivait dans les sous terres. Et puis il aime pas trop ça et tout, et puis il veut se venger de tout l'univers parce qu'il est un peu fou et tout. Et en fait il veut déplanétiser plein de planètes. En fait, si vous voulez, en gros, il veut récupérer des morceaux de certaines planètes et puis en fait les rassembler tout ensemble pour faire une planète parfaite. Mais donc, il est obligé de détruire d'autres environnements, donc c'est pas bien tout ça. Et il est aidé, alors au début, il a pas grand chose à part son déplanétisateur. Il est aidé donc par le docteur Nefarious, ouais, qui est un des personnages aussi récurrents de la saga Ratchet & Clank. Ce qui est très intéressant, c'est que d'habitude, quand on a vu le docteur Nefarious pour la première fois dans les jeux, c'est un robot en fait. Alors que là, on sait qu'avant il était humain. Et donc là, du coup, on le voit sous son apparence humaine avant qu'il se retrouve transformé en robot. Humain dans Ratchet & Clank, c'est vite dit, il n'y a jamais vraiment d'humain, c'est vraiment des... même Quark qui ressemble à un humain, il a trois doigts, donc voilà, c'est, il y a pas de vrais humains. On va dire que c'est une créature organique, c'est ça, ouais, avant d'être un robot qui ressemble beaucoup à un humain en tout cas. Et donc là on le voit sous ça, comment il était de base en fait. Voilà, ce qu'on avait jamais vu dans les jeux finalement. L'aide du docteur Nefarious par rapport à Drake, c'est que Nefarious va amener une usine de robots pour avoir une armée de robots tout ça. Et à un moment il y a un dysfonctionnement et au lieu de faire des robots super badass, il y a un Clank qui apparaît tout petit, tout chétif. Donc, Clank comprend très vite qu'il va avoir des problèmes, il comprend le délire, il se casse, il trouve une navette et il finit par s'écraser non loin de là où habite Ratchet. Voilà. Voilà, et donc nos deux héros, Clank va dire à Ratchet qu'il faut absolument qu'il prévienne les Rangers galactiques. De la menace, évidemment. De la menace du président Drake. Donc, va s'en suivre une baston contre des robots où Ratchet va être un peu malgré lui. Il va arriver à tous les buter et se retrouver être le héros sauveur de la planète, ce qui va un peu emmerder Quark du coup. Puisque c'est ça. Quark, c'est un personnage qui a un melon assez important et donc il aime être la superstar, aime être au centre de tout. Donc Quark va se retrouver forcé en quelque sorte de recruter Ratchet dans les rangs des Rangers Galactiques. Voilà, en tout cas pour le début de l'histoire. Alors Ratchet et Clank, voilà, pour ce qui est des histoires, que ce soit du jeu ou même du film, sont toujours relativement classiques. Hein, mais c'est vrai que ce qui va vraiment faire la donne, c'est les personnages et surtout l'humour qui est souvent ravageur. Et franchement, allez voir le film Ratchet et Clank parce qu'on ne s'ennuie pas. Il y a beaucoup de scènes cocasses. Il y a aussi pas mal d'action, hein, parce que dans le jeu, il y a de l'action. Et disons qu'il y a tous ces cocktails-là qu'il y a dans le jeu vidéo qu'on retrouve retranscrire de bonne façon en tout cas dans le film d'animation. C'est-à-dire que, alors ceux qui ne connaissent pas Ratchet & Clank, voilà, allez le voir, je pense que vous allez passer un bon moment parce qu'il y a beaucoup de blagues un peu geek, des blagues modernes même, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que pour ceux qui connaissent le jeu vidéo, qui connaissent même un peu l'univers PlayStation, j'ai envie de dire, il y a même d'autres blagues que j'y pense vont vous faire vraiment beaucoup marrer. Et ça, rien que pour ça, le film est vraiment réussi. Il y a de l'action, je dis, il y a vraiment un super humour. On s'est vraiment, vraiment poilé. De toute façon, on y est allé. Donc, bon, Nico et moi, on joue aux jeux vidéo, tout ça, on connaît. Et c'est vrai que moi, j'y suis allé avec une autre personne qui ne connaît pas forcément Ratchet & Clank, ni forcément tous les jeux vidéo, et qui a passé un très bon moment également. Elle me l'a dit. Donc, voilà. Tout le monde peut y aller, les petits comme les grands, hein, c'est aussi l'intérêt des jeux, tout le monde peut y jouer, les plus jeunes, les plus vieux, ça peut amuser tout le monde. Il faut quand même dire un mot sur le doublage, parce qu'il y a eu tout un pataquès sur le doublage du film, puisque le jeu vidéo a un doublage français depuis le début, et que là pour le film, tous les doubleurs ont été squeezés. C'est le cas de le dire. Et du coup, des nouveaux doubleurs ont été là. Alors moi, j'ai lu plein de trucs sur les doubleurs. Et franchement, j'ai envie de vous dire ta gueule. Voilà, j'ai envie de vous dire ta gueule à tous ces gens-là, parce que franchement, vous n'avez pas vu le film. Parce qu'on a mis en scène donc Squeezie, qui est un youtubeur. Moi, je vous avoue, je ne regarde pas ce qu'il fait, hein, vraiment. C'est un youtubeur qui est très connu, voilà, qui cartonne tout ça. Et dès qu'on a su qu'il faisait la voix donc, de Ratchet, le personnage principal, ça a été une véritable tollée. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que Squeezie, lui, là, entre guillemets, il n'a rien fait. Lui il n'a rien demandé. C'est Sony, c'est les studios, les producteurs du film, qui sont allés le chercher. Lui, il n'a rien fait. Donc.
lui en balançait pas plein la gueule. Lui, voilà, évidemment, il a accepté, c'est tout bon pour lui. Puis c'est un doubleur expérimenté, il avait déjà fait des voix dans Bob l'éponge. Non, mais voilà, enfin, faut mettre les responsabilités aux bonnes personnes, hein, et pas à ceux qu'on a appelés. Lui, il est pour rien, quoi. Il a pas dit, ouais, je vais faire Ratchet, vos gueules, tout ça. Non, il a rien fait. Et en plus de ça, il s'en tire vraiment très bien, parce qu'il représente bien Ratchet, parce que Ratchet, c'est un Jones. Squeezie a une bonne voix, en tout cas, pour Ratchet. On va quand même dire qu'il a fait un bon travail. Il n'a pas fait un excellent travail, parce qu'il y a des moments où, effectivement, c'est pas un comédien de doublage. Il y a des moments, effectivement, où il sort peut-être un tout petit peu du personnage, on y croit un peu moins. Mais dans l'ensemble, il fait un bon travail pour Ratchet. Il représente bien. Et il faut voir aussi que les autres personnes qui sont sur le casting du film, les autres youtubeurs, et il y a même aussi Nico Saliagas, le fameux présentateur de TF1, ils ont des tout petits rôles. Mais vraiment, c'est Nico Saliagas, franchement, on écoute peut-être une minute dans tout le film. Il doit apparaître deux fois dans le film. Et puis ouais. Et allez le voir, parce qu'il y a de vrais doubleurs professionnels. La voix de Bruce Willis, elle fait la voix de Quark. La voix de Cartman de South Park fait la voix de Dr. Nefarious. Et rien que pour ça, vous devriez fermer vos gueules et aller voir le film. Rien que pour ça, c'est excellent. Doubleur de Sylvester Stallone aussi, qui fait un personnage. D'ailleurs, c'est Stallone qui le double dans la version originale, donc du coup, c'est sa voix... C'est sa voix dans la VF. Exact. Et franchement, pour tout le reste, il n'y a rien à dire. Et surtout, ce qui est même bluffant, c'est que la plupart des voix qu'ils ont choisies, alors peut-être hormis pour Ratchet, mais pour ce qui est de Clank, Quark, Nefarious, qui sont les personnages récurrents de la série, ils ont quand même trouvé des voix qui ressemblent énormément à celles du jeu vidéo. Et vraiment, j'insiste là-dessus, on croirait presque que c'est les mêmes. Mais vraiment, alors c'est pas les mêmes, mais on croirait presque que c'est les mêmes. Ils ont vraiment bien trouvé, bien choisi. C'est très bien doublé. Franchement, il n'y a pas grand-chose à redire. Et franchement, si vous n'y allez pas, à cause de ça, vous êtes vraiment con. Excusez-moi, je le dis, vous êtes vraiment con, parce que le film vaut vraiment le coup, surtout si vous êtes fan. C'est pas juste un produit marketing, c'est un vrai film d'animation qui a été fait avec le cœur. Ratchet, c'est ce qu'il devait faire depuis le début, et franchement, c'est réussi. Oui, comme je disais, pour le doublage, moi, effectivement, j'étais sceptique quand j'ai vu que Squeezie faisait la voix de Ratchet. Mais c'est normal, mais c'est pas un comédien de doublage, c'est normal. Globalement, ça passe très bien. Bon, il y a quelques petits passages où ça sonne un peu faux. Oui, c'est ce que j'ai dit. Sinon, voilà. Il fait dans l'ensemble une bonne prestation, pas une excellente prestation, mais ceux qui disent « Ouais, j'ai entendu, ça me donne envie de gerber, mais je suis à m'arrêter tes conneries, putain. » Je veux dire, Ratchet, c'est un personnage qui est jeune, Squeezie, il est jeune. Ça marche très très bien. Je suis sûr que ces gens-là, ils n'auraient pas su que c'était Squeezie qui faisait la voix, ils n'auraient rien rien dit, je suis sûr. On aurait vu que c'est pas la même voix, mais je suis pas sûr qu'on aurait dit grand-chose. Il y a des expressions de jeunes et tout ça, mais effectivement, Ratchet, c'est un personnage qui est limite un adolescent. Quoi. Donc il n'y a pas de honte. Et franchement, Ratchet et Clank, allez le voir, les gars. On passe un super moment. Je vous dis, c'est drôle. Pendant une heure et demie, on s'ennuie pas. Il est beau, évidemment, mais bon, il y a plein de films d'animation qui aujourd'hui sont très beaux. Squeezie, peut-être un beau garçon, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, il est drôle. Il y a plein de références. Il y a plein de références geek et à l'univers de Ratchet et Clank et à l'univers PlayStation. Donc pour les fans de Sony, tout ça, franchement, ça va vous plaire. Et pour les jeunes qui ne connaissent pas, allez le voir. Vous avez passé un bon moment. Plutôt que d'aller voir une énième suite, genre Kung Fu Panda 3 ou machin, ou le monde de Nemo de 20 000, je sais pas quoi, allez voir quelque chose de nouveau, de frais. Et puis en plus, si ça vous plaît, bah allez acheter le jeu vidéo. Jeu vidéo, en plus les tests sortent, le jeu apparemment le testera la semaine prochaine. Exactement, la semaine prochaine, Ratchet & Clank, le jeu, c'est évidemment ce qu'il y a de plus important, mais le film sort le 13 avril. Voilà, je vais le redire encore une fois, allez le voir, passez un bon moment en famille, entre amis. Très franchement, ça vaut le coup. Voilà, c'est ce qu'on avait à dire. Est-ce qu'il vaut le coup, le jeu qui arrive tout de suite, parce que Quantum Break avait la lourde tâche de siffler le coup d'envoi de cette année de jeux vidéo sur console. Parce que pour l'instant, le premier trimestre a été complètement pauvre. Il n'y avait rien. C'est pas The Division qui va sauver l'année, hein, parce que celui-là, on est déjà en train de l'oublier. Quantum Break devait être l'une des premières tueries du jeu vidéo. Est-ce que c'est le cas? Pierre-Marie va nous en parler tout de suite. Allez, de retour sur le plateau de Game On Nitron, donc pour parler de cette exclusivité Xbox One et PC, qui est Quantum Break, que Pierre-Marie attendait
à toi. Alors oui, on peut même parler d'exclusivité Microsoft parce qu'il est sorti effectivement sur Xbox One, mais aussi sur PC, mais uniquement sur les PC munis de Windows 10. Une façon pour Microsoft en fait de vendre à la fois des Xbox One et sur PC d'inciter les gens à installer Windows 10 parce que tous les autres Windows qui peuvent être encore courants, genre le 7 ou le 8 ou le 8.1, Quantum Break ne sort pas dessus, il faut Windows 10 avec le Windows Store. Ils sont malins. Voilà. Alors, commençons par l'histoire, du coup. Alors, qu'est-ce que c'est Quantum Break ? Ben, on va y incarner Jack Joyce, hein, un mec, hein, c'est juste un gars, quoi. Il se retrouve, en fait, il était en Thaïlande, et tranquillou, et il y a son pote qui l'appelle et qui dit « Viens, je suis un scientifique et tout, j'ai fait un projet, viens participer. » Donc, il se retrouve sur un campus universitaire, il croise des étudiants qui manifestent contre une grosse société qui veut raser la bibliothèque du campus. Mmh. La société s'appelle Monarch. Je dis pas ça pour raconter ma vie, ça a une importance pour la suite. Et voilà, et il va en fait parler à son pote qui en fait lui annonce que depuis des années, il travaille sur une machine temporelle, une machine à remonter le temps ou à voyager dans le temps parce qu'elle permet d'aller dans le passé comme dans le futur. Voilà. Donc voilà, et en fait l'expérience rate, le mec qui faisait l'expérience disparaît et notre héros se retrouve muni, on va dire, d'avoir des pouvoirs temporels, c'est-à-dire il va pouvoir congeler le temps et surtout il va pouvoir par moment le monde va s'arrêter parce qu'en fait l'échec de l'expérience de manipulation du temps va causer de graves dommages à la structure même de l'univers, ce qui va faire que des fois le monde va se mettre en pause pendant quelques temps, donc tout va être figé et grâce à la décharge de particules temporelles, on va dire, que notre héros a reçu, il va pouvoir continuer à se déplacer, à se mouvoir pendant ces grandes pauses du temps. Je sais plus comment c'est, des interruptions, ouais, je crois qu'ils disent interruptions, mais voilà, bon, on va laisser un peu le jargon technique de côté, et surtout que c'est de la pseudo-science, donc ça vous aidera pas à passer le bac physique, d'ailleurs allez réviser au lieu d'écouter la radio. Ouais. Qu'est-ce que je dis ? Voilà, donc en fait, la fameuse société qui veut raser la bibliothèque du campus, c'est Monarch, et en fait, au moment où l'expérience rate, comme par hasard, il y a plein de gardes, il y a plein de soldats de Monarch, donc déjà une grosse entreprise qui a des soldats et tout, qui est militarisé, ça sent bien la merde quand même. Et en fait, ils débarquent tous et ils vont se mettre à poursuivre le fameux Jack Joyce. Et on va se rendre compte qu'en fait, les Monarch eux-mêmes travaillent à fond sur les interruptions. Peut-être même qu'ils en sont à l'origine, on ne sait pas trop. Mais on va s'apercevoir qu'en fait, Monarch, c'est les grands méchants. C'est les grands méchants de l'histoire et que du coup, on va devoir se battre contre eux et en fait réussir à comprendre ce qui se passe déjà et surtout réussir à enrayer ce qui se passe parce qu'à cause de l'expérience ratée, le monde en fait court à sa perte, court à ce qu'on appelle la fin du temps, c'est-à-dire un moment où tout s'arrête, absolument tout s'arrête. Et en fait, on ne sait pas trop quelles sont les intentions de Monarch par rapport à ça. On ne sait pas trop s'ils veulent que tout s'arrête, s'ils veulent lutter contre ça. Et ça, on va le découvrir dans la suite de l'aventure. Alors, Pour cela, notre héros, donc Jack Joyce, est muni donc de pouvoirs temporels, aussi d'une bonne connaissance des armes à feu. Alors c'est expliqué plus dans le fond du jeu pourquoi il sait manipuler les armes à feu, mais voilà, le principe de base du jeu, c'est qu'il mélange. Il y a quelques phases de gameplay. Je vais y revenir tout à l'heure, mais il y a autant du gameplay un peu à l'exploration que des batailles rangées en fait de pistolets contre les fameux soldats de Monarch et contre lesquels on va pouvoir utiliser justement nos pouvoirs temporels. Donc il y a ces phases là et ensuite il y a des phases où en fait on va juste choisir, là on incarnera plus le héros, on incarnera en fait le grand méchant, le directeur de Monarch, qui devra faire un choix stratégique, et en fait de là va découler la suite des événements. Et juste après ces choix, à chaque fois, on va avoir un épisode de série télé de 20 minutes. C'était annoncé dans le jeu, apparemment. Moi, je m'étais pas plus renseigné que ça. J'avais vu que le trailer à l'E-Cube. Et c'était, ma foi, c'était une bonne surprise. Au début, j'ai halluciné. Je me suis dit, ouais, mais les graphismes étaient beaux jusque-là. Mais là, on dirait carrément que c'est photoréaliste. En fait, je me suis dit, ah, mais merde, c'est une série télé, en fait. Voilà. Tu sais, quand t'allumes la télé, c'est pas que du jeu.
Non, mais c'est... d'ailleurs, c'est un bon point sur lequel je veux venir tout de suite, c'est l'aspect technique. C'est vrai que ce jeu, voilà, c'est... il fait honneur à la Xbox One. Alors, bon, si je peux me permettre, oui. C'est vrai que moi, j'ai pas joué au jeu, donc j'ai vu que des trucs comme ça. Visuellement, ça a l'air de péter ah oui. des effets visuels. C'est... Ouais, bah, à tel point que c'est vrai que pendant des moments, on est dans une cinématique et les graphismes sont assez beaux pour que pendant une demi-seconde, pas plus, parce que voilà, ça m'est arrivé qu'une fois parce que je savais pas que c'était, qu'il y avait des séries films avec des vrais acteurs, oui. Mais des fois, pendant une demi-seconde, ouais, on sait pas si on est devant de l'image de synthèse ou si on est devant des personnes filmées. Alors voilà, d'ailleurs, il y a des très bonnes distributions d'acteurs, hein, les personnages sont super. La série télé, on va quasiment pas suivre le héros, on va surtout voir en fait le point de vue des méchants. C'est un truc que j'ai beaucoup apprécié aussi. Ouais. Après, c'est vrai que ça surprend, c'est une formule qui peut marcher ou moins bien marcher, mais ça, je reviendrai dessus tout à l'heure. Mais j'ai bien aimé cet aspect, bah, d'une part, de faire un choix en tant que grand méchant. Et en plus, c'est pas forcément des... C'est... Alors, je sais pas quelle est l'ampleur des conséquences. J'ai un peu étudié parce que je suis pas encore arrivé au bout. J'en suis à la fin du quatrième acte, pardon. Et il y a 5 actes en tout dans le jeu, donc je suis pas loin de la fin. Mais d'après ce que j'ai vu, en fait... ce matin. Oui, je l'ai fini ce matin. Voyons. En me rasant. Voilà. Et du coup, en fait, d'après ce que j'ai vu, ça change effectivement pas mal d'événements du jeu, mais il y a une fin unique, par contre, pour tout le jeu. Tout converge vers une fin unique que je ne connais pas, et de toute façon, on n'est pas du genre à dévoiler la fin, sauf de Mass Effect. Et du coup, où j'allais en venir ? Oui, alors, là où le jeu est important, c'est le gameplay. Donc, les phases de gameplay, il y a du gunfight et... Il y a du gunfight et des phases plus d'exploration. Alors, les phases d'exploration, elles sont pas mal. Bon, faut s'attendre de bout en bout, d'ailleurs, pas que pour les phases d'exploration, mais c'est vraiment un jeu, faut vraiment le voir comme linéaire. Linéaire, un peu façon Uncharted, c'est-à-dire il y a des environnements plus ou moins vastes à explorer, mais voilà. Est-ce qu'on s'attendait à mieux de... Non, bah voilà. C'est sûr que c'est pas un monde ouvert. Ouais, évidemment, tout le monde le sait. Enfin, c'est Quantum Break, c'est Remedy, studio finlandais qui a fait Max Payne et Alan Wake, qui sont des jeux d'action donc très très narratifs, mais c'est pas des mondes ouverts, quoi. C'est vraiment des jeux d'action. C'est des jeux d'action. En fait, on est porté par l'histoire, donc le fait que le jeu soit en couloir, moi, ça m'a pas gêné du tout. Et non, c'est tout à fait logique par rapport à l'histoire, en fait. Parce qu'effectivement, un monde ouvert, on pourrait voyager dans le temps et tout ça, ce serait un peu... C'est possible, mais ce serait très compliqué. Ouais. Donc voilà, dans les phases d'exploration, on va avoir un truc que Mathieu adore dans les jeux d'action et d'exploration, c'est la vision à la Batman. Le fait d'avoir des pouvoirs temporels, ça permet de voir à travers les murs. Mais ça, c'est abusé, vous n'allez pas me dire le contraire. Ils auraient pu s'en passer. Ouais. Vous n'allez pas me dire que ça, ils auraient pu s'en passer. Ça... Non, j'ai vu. J'ai pensé à toi, j'ai appuyé sur Y pour démarrer la vision temporelle. J'ai vu ça. Ah, faudra que je le dise, Mathieu va aimer. Non, mais attends, mais moi, je m'attends au jour où, par exemple, Final Fantasy XV va avoir la même chose pour voir les ennemis derrière les bois, tu sais, quand tu seras dans une exploration. Ça sera la vision en opticienne. La vision cristalline. Non, mais c'est vrai. Non, mais je trouve, c'est au bout d'un moment, ça... Prochaine étape, Mario, on pourra voir ce qu'il y a dans les blocs avant de taper dedans. Non, mais voilà. Mais je te jure, ça n'a ni queue ni tête. Franchement, tu vas pas me dire le contraire. Pour le coup, c'est pas utile à l'univers de Quantum Break. Faut que ça reste cohérent par rapport à l'univers. C'est pas utile à l'univers. Puis, en fait, là où... Ça a de l'utilité un peu dans les phases d'exploration, dans le sens où il y a plein d'objets un peu planqués qu'il faut consulter pour avoir le fond du jeu. Donc on va lire des mails, on va lire des affiches, des contenus d'ordinateur et tout ça. Mais par contre, quand on est contre les ennemis, c'est vrai que ça nous donne carrément un avantage, parce qu'on voit les ennemis du coup à travers... Alors ça ne dure pas longtemps et c'est un pouvoir qu'on peut augmenter, mais ça se recharge très vite. Donc effectivement, on peut quasiment voir les ennemis en continu à travers les obstacles et tout ça. Donc ça donne un gros avantage. Surtout, c'est un jeu d'action, c'est pas un jeu d'infiltration quand on... Bah non, mais d'ailleurs ça m'a un peu déçu, parce que c'est vrai que quand ils sont en train de parler entre eux, les personnages, ils font « Ouais, on va s'infiltrer, on va y aller mollo et tout ça. » Et en fait, c'est vraiment que d'action, quoi. T'as vraiment aucun choix d'infiltration, c'est que action, action, action. Peut-être que pour eux, y aller mollo, ça veut dire entrer et tuer tout le monde aussi. C'est ça. Molo, du latin molus, qui veut dire molester. Donc on va y aller en molestant les ennemis. Non, mais voilà, il y a la vision à la Batman qui permet de voir les ennemis, les armes, les objets importants. Alors effectivement, il y a plein de trucs, d'objets à collectionner. D'une part, les fameux objets qui vont donner des indices
qui vont donner des indices sur les fonds du jeu. Ça va permettre d'en savoir plus. On lit vraiment les mails de plein de persos qu'on va voir généralement plus tard dans la série télévisée. Donc du coup, ça rajoute de la profondeur au jeu. Moi, j'adore lire les trucs comme ça, même si des fois, c'est plus ou moins fait. Par exemple, on va avoir une correspondance d'emails. Et en fait, ils vont être, les emails se lisent de haut en bas, du coup. Mais ils sont dans l'ordre... ils sont du plus récent au plus ancien. Donc si tu veux vraiment comprendre la correspondance, va falloir d'abord descendre sur le mail le plus ancien et remonter. Ce qui est logique si toi, tu regardes tes mails à toi, mais là, en l'occurrence, c'est un peu chiant. Ouais, là, on est vraiment dans l'ordre du détail, donc on va pas... C'est pas très ergonomique. Voilà, c'est pas très ostentatoire. Et du coup... voilà, et... y a aussi une petite fonction un peu sympa. Les échos quantiques, c'est des petits éléments du décor que ceux-là, on ne les voit pas en radar, c'est du pur bonus. Des petits éléments du décor avec lesquels on peut interagir. Et en fait, ça va rajouter une petite scène de 2 ou 3 secondes dans la série télévisée. Genre, à un moment, on va observer un panneau et le fait d'observer, ça va le faire disparaître. Et à un moment plus tard, il y a 2 personnages qui se baladeront dans les bois et qui vont voir le panneau comme ça et qui vont dire « Hey, mais qu'est-ce qui se fout là, ce panneau ? C'est marrant. » Voilà, c'est des petites interactions. C'est des petites interactions comme ça. On sait directement dans la série quand ça vient parce qu'il y a un petit symbole qui indique que c'est un effet des échos quantiques. Mais voilà, ça aussi, c'est plus de l'ordre du gadget. Là, on récupère aussi donc dans les phases d'exploration des chronons. On les voit pas à travers les murs, mais on a une sorte de radar qui nous indique où le chronon est. Donc là aussi, c'est vachement logique d'avoir un radar, mais bon, après c'est de la science-fiction, donc on va pas rentrer dans la logique. Mais voilà, on va devoir récupérer ces particules qu'on dépense en tant que pouvoir et curieusement. Contrairement à beaucoup de jeux du genre, il y a très peu de compétences qu'on peut débloquer. Et voilà, mais bon, c'est pas même sans avoir débloqué. Enfin, moi au début, je traçais un peu ma route dans le jeu. Je ramassais pas, surtout parce que j'avais pas compris comment le radar fonctionnait. Mais ça, faut pas le dire. Mais du coup, même si on développe pas les pouvoirs, on n'est jamais désavantagé. Et c'est là que je veux en venir. Les phases d'action dans le jeu qui m'ont un peu laissé sur la fin. Les phases de gameplay, en fait, je les trouve molles. Déjà, les pouvoirs, on a quasiment tout du début, même si on nous fait les tutoriels petit à petit, mais on a quasiment tout du début. Donc, on n'a pas l'impression d'avoir gagné les pouvoirs et pas l'impression d'avoir l'occasion de se servir d'un pouvoir en particulier. Ce qui est très mal foutu, c'est le système de couverture. Il n'y a pas de bouton pour se couvrir. En fait, c'est quand on s'approche juste à côté d'une surface, le héros va automatiquement se baisser. Et si on s'en éloigne un peu, le héros se lève automatiquement. Ce qui est très chiant. Alors moi, j'ai trouvé ça très chiant parce que je suis habitué au... pour moi, la référence un peu du genre pour les TPS, je pense à The Last of Us ou voire même Uncharted. Ouais. Je pense à ça. Et ben pour moi, c'est vraiment un truc qui m'a manqué de pas pouvoir me baisser et tout ça. Pas non plus de possibilité d'attaquer au corps à corps. Et en fait, c'est con parce que du coup, tu peux arrêter le temps et te retrouver derrière un ennemi. Mais en fait, derrière l'ennemi, tu peux rien faire. Tu es obligé de ressortir ton arme et lui tirer dessus. Tu peux pas l'attaquer au corps à corps. Sauf en utilisant un pouvoir particulier qui te permet de le faire avec une QTE. Mais sinon, c'est tout. Et j'ai trouvé ça dommage parce que du coup, moi, j'aurais bien aimé me la jouer. Ouais, je m'infiltre et tout. J'arrête le temps, je suis derrière lui, il ne voit rien venir et schnack. Aïe. Ouais, non, mais c'est... Ouais, c'est... J'ai trouvé ça un peu dommage. Mais bon, malgré tout, et un autre truc que j'ai trouvé dommage, c'est que les armes sont peu variées. Mais bon, il y a ce qu'il faut. Il y a les habituelles armes simples qu'on voit dans les TPS, plusieurs types de pistolets, de mitraillettes et tout ça. On va pas aller dans les détails. Voilà, mais en fait, c'est pas... Tout ce que j'ai dit là, la couverture automatique et le CAC, c'est pas très pénalisant parce qu'en fait, les phases d'action en fait, sont vraiment faciles. Et c'est là que je fais... Je suis en difficulté normale, mais je pense que même en expert, je pense pas que ça aurait bien changé grand-chose. Mais en fait, c'est facile, en fait, les pouvoirs se rechargent très vite. En fait, tu peux tout le temps y aller en bourrinant et ça passe, quoi. Faut vraiment te retrouver au milieu des balles et te faire taper dessus, donc il n'y a pas de jauge de vie. Il suffit de se mettre un peu à couvert pendant quelques temps pour retrouver sa vie. Et voilà, vu qu'on voit les ennemis à travers les murs, à travers tous les objets opaques et qu'eux, ils ne nous voient pas, et vu qu'en plus, on a tout le temps la possibilité de d'arrêter le temps ou de sprinter de façon à ce que les ennemis ne nous voient pas, bah du coup, on a tout le temps un peu l'avantage sur eux. Il y a juste un peu les snipers qui donnent du fil à retordre, mais pareil, on peut envoyer une espèce de boule d'énergie à distance sur ces ennemis-là
Et voilà, c'est fini. T'as pas l'air emballé par le gameplay, bah, en fait, depuis le début. C'est ça, en fait, c'est... Ni par les phases d'exploration, bah, ni par le système de combat. Bah, en fait, les phases d'exploration, ça va encore. Mais c'est vraiment enfin, ce c'est gameplay. C'est pas l'éclate non plus, quoi. C'est pas l'éclate non plus. C'est l'impression que tu me donnes. Voilà, c'est ça. Mais c'est... En fait, c'est surtout ces phases de gameplay, en fait, Et quand tu arrives dans une zone et que tu vois voilà, plein de murs pour se mettre à couvert et plein d'objets explosifs partout, entre parenthèses, voilà, comme d'habitude, on met les bidons rouges bien partout, les bouteilles de butane et tout ça. À côté des ennemis, jamais à côté du héros. Voilà, mais je pense que l'ennemi, celui qui veut conquérir le monde, s'il réussit à comprendre qu'il ne faut pas mettre des containers à butane partout, il va plus avoir de chances d'arriver à ses fins, quoi. Mmh. Mais voilà, disons que ça n'a pas posé grande difficulté. Bon, ça m'est quand même arrivé de mourir. Il y a certaines variations quand même dans le sens où certains ennemis ont des combinaisons en fait qui leur permettent d'évoluer pendant les fameuses interruptions. Donc pendant que tout le temps est figé, eux ils continuent à bouger. Du coup, ils sont pas sensibles à certains pouvoirs. Mmh. Contrairement aux ennemis, on peut pas les arrêter d'un coup, on peut pas les bloquer vu que souvent on est déjà dans une interruption. Et eux, de toute façon, ils ont de quoi résister à ça. Et bien sûr, voilà, il y a une variation d'ennemis. C'est des espèces de colosses dans une grosse armure et il faut bien sûr leur tirer dans leurs points faibles, bien visibles dans le dos pour les tuer. Mais voilà, finalement, il y a pas une grosse variété d'ennemis. Unico. Justement, moi j'aurais une question à propos de ces fameuses interruptions. Est-ce que ça intervient de manière complètement aléatoire dans le jeu ou genre il y aura une interruption à tel moment? Si tu cherches la sauvegarde, elle sera toujours au même c'est moment. Oui, c'est scripté. Voilà. C'est scripté, ça fait partie intégrante de l'histoire. Donc voilà, les interruptions, voilà, c'est dans l'histoire. Alors donc voilà, comme je disais, ces phases sont très simples. Mais d'après ce que j'ai lu, j'en suis pas encore là comme je vous expliquais, mais d'après ce que j'ai vu, apparemment le combat de boss par contre est inchiable. Tout le jeu est très très dur, mais apparemment le combat du boss final est inchiable. Donc je suis curieux d'en arriver là, mais si c'est le cas, c'est un peu dommage parce qu'en principe la difficulté c'est pas facile pendant tout le jeu et hyper dur à la fin. On essaye d'augmenter la difficulté pour que le joueur apprenne à être de plus en plus prudent et du coup soit bon avec les mécanismes du jeu quand il arrive au boss final. Mais bon, ça on y verra. Il y a une autre phase dans l'exploration dont j'ai pas vraiment parlé, c'est plus ces phases justement où on va devoir évoluer dans le décor, donc un peu à l'Uncharted, sauf que là on va utiliser nos pouvoirs temporels, c'est-à-dire des fois il faudra faire remonter dans le temps une partie du décor, par exemple un échafaudage écroulé, on va le faire remonter dans le temps pour pouvoir monter dessus et le traverser, sachant que à chaque fois ça reste pour un temps limité. Donc du coup c'est un jeu que je déconseille à ceux qui aiment pas trop tout ce qui est plateforme, parce que mine de rien, c'est des passages qui peuvent être un peu techniques niveau plateforme. Et de même, il y a des passages qui sont assez bien fichus, bon, entièrement scriptés également, mais ça, ça fait partie, c'est une composante du jeu. Donc, je le range pas dans les critiques, moi, pour moi, le fait que ce soit scripté et linéaire. Mais des fois, il va y avoir des grosses interruptions temporelles où du coup, on va se retrouver en fait dans un décor immobile. Enfin, c'est comme s'il y avait un gros accident et qu'on prenait une photo. Et ben là, on évolue dans cette photo, quoi. D'accord. C'est-à-dire, il va y avoir des véhicules en l'air, des bouts de structure. Et au lieu d'évoluer sur des structures bien carrées, bien construites, comme on a l'habitude dans les jeux de ce genre, là, va falloir progresser en fait en escaladant, en explorant, en courant, etc. dans ces structures-là, sachant que des fois il y a un peu des bugs dans l'arrêt. Donc par exemple, on va voir une voiture en train de se faire renverser en boucle et du coup, il faudra passer avec le bon timing pour pas voilà. Une voiture, en fait, imaginez une voiture qui est en train de se prendre un obstacle et de foncer en avant. Et de revenir en arrière, en fait, ça arrête pas de rembobiner et tout ça. Il va falloir réussir à passer avec le bon timing. D'accord. Mais voilà, vu qu'on a un sprint temporel, ça passe bien. Donc, voilà pour le gameplay. finalement, c'est le gameplay. Donc, effectivement, le gameplay. Alors, plus les phases de tir et tout ça, c'est vraiment pas ce qui m'a emballé. Surtout, je pense en fait, c'est surtout le fait d'avoir vu beaucoup mieux. Peut-être que ce gameplay de tir serait bien passé il y a quelques années, mais je trouve que par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, que ce soit dans les TPS ou dans les FPS, même je pense aux FPS comme Far Cry qui sont un peu exploration, même si c'est différent, c'est un monde ouvert et tout, mais je trouve qu'il manque,
il manque des choses. Les pouvoirs temporels, c'est bien, c'est sympa, mais on sent pas déjà qu'on doit lutter pour les avoir. Ils sont acquis d'office, sauf un qui vient un peu plus tard que les autres. Et voilà, on les bourrine vraiment, mais enfin, on n'a pas l'impression qu'il y a d'enjeu, et il y a une certaine inconsistance, quoi. Je dirais presque que si tu avais tous les pouvoirs d'un coup, c'est même dommage d'un point de vue scénaristique, parce que je veux dire, le mec, il obtient des pouvoirs, certes, mais enfin, je veux dire, il n'est pas censé les maîtriser, quoi. Enfin, c'est quelque chose de nouveau pour lui, donc je trouve, même moi, je trouve ça pas logique qu'il ait tous les pouvoirs d'un coup. T'sais, il faudrait qu'il les découvre au fur et à mesure du jeu, lui tout seul. C'est pas logique qu'il trouve tous ses pouvoirs d'un coup. Enfin, c'est débile, je veux dire, entre guillemets, en vrai, si t'arrivais le même accident temporel, tu te rendrais compte de certaines choses au fur et à mesure. Ce matin, j'ai eu un accident temporel et j'ai pas encore trouvé tous mes pouvoirs. C'est ça que j'aime pas dans ce genre de truc. Je trouve pas que c'est pas logique. Et effectivement, c'est vrai que j'ai l'impression que ça nuit aussi au gameplay, parce que du coup c'est trop, enfin tu l'as dit, c'est trop, ça a l'air trop simple, quoi. Ce qui nuit au gameplay, je pense, c'est qu'ils ont tellement voulu mettre les pouvoirs temporels en avant qu'ils ont oublié finalement des trucs de base, quoi. Parce que je pense que le fait de pouvoir se couvrir quand on veut avec le personnage, et le fait de pouvoir attaquer un personnage au corps à corps, je sais pas, ça me semble des choses simples, quoi. Moi, j'aurais bien échangé le fait de voir à travers les murs, tu vois, contre le fait de pouvoir avoir une couverture, et voilà. C'est un comble quand même pour ceux qui ont révolutionné le TPS avec Max Payne il y a des années. Donc c'était une autre époque. C'est ça, quand on pense qu'ils sont, c'est ceux qui ont fait Max Payne, et que voilà, c'est des grands noms, et c'est dommage de... C'est dommage. Pas beaucoup de jeux, parce qu'ils ont fait donc Max Payne 1 et 2 et Alan Wake. Là, c'est leur quatrième jeu. Enfin, c'est un studio qui prend son temps pour faire des jeux, qui ont les moyens de les faire. Donc, c'est dommage de ne pas arriver à ce point-là, quoi. Mais est-ce qu'il y a des choses qui rattrapent, notamment l'histoire? Il y a des choses qui rattrapent, et c'est exactement ça. C'est exactement là où je voulais en venir, et tu fais bien de m'y amener. C'est l'histoire. Moi, j'ai adoré l'histoire. Alors, bon, il y a quand même des choses qui sont convenues, hein, y a des choses qu'on voit venir à des kilomètres, mais l'histoire est quand même bien construite de façon à ce qu'on arrive à s'attacher aux différents personnages, que ce soit des gens qui sont dans notre camp, même dans le camp ennemi, vu qu'on découvre beaucoup de ce qui se passe dans le camp ennemi par le biais de la série télé. Je trouve qu'on s'attache beaucoup aux personnages, et du coup, quand il se passe certaines choses, on est vraiment affecté. Le coup de pouvoir vraiment influencer l'histoire, enfin, je vais vous donner un exemple de décision qu'on a, donc on incarne du coup le directeur de Monarch. Donc on vient de finir l'acte 1 du jeu, et du coup il y a le fameux accident, parce qu'on le vit tout en gameplay, cet accident. Et du coup la décision, ça va être, il y a un accident, et du coup il y a tout Monarch, il y a tous les militaires en fait de Monarch qui débarquent dans l'université et tout ça. Et en fait là on a deux choix. Soit on va jouer le coup des relations presse, c'est-à-dire récupérer une des étudiantes qui manifestait contre Monarch, et la faire contre son gré s'exprimer pour dire que Jack Joyce est un terroriste et que c'est lui qui a créé l'accident et tout ça. Et du coup, on va communiquer à fond, donc tout faire dans la communication, ce qui fera que toute la ville sera contre Jack Joyce. Mais du coup, vu que les étudiants, vu que les rebelles et tout ça seront épargnés, ils vont plus aider Jack Joyce. Ou alors l'autre choix, c'est que Monarch va tuer tous les étudiants, va jouer la voix du gros bourrin, ce qui va faire que la ville craindra beaucoup Monarch, mais Jack Joyce aura moins d'alliés vu qu'il y aura eu pas mal de morts, quoi. Donc voilà, c'est ce genre de décisions qu'on a à prendre, et qui sont c'est vrai que c'est le genre de décision, voilà, qui sur lesquels on réfléchit, quoi. Enfin, moi, on se décide assez vite, mais du coup, pour celle-là, je m'étais décidé assez vite, mais il y en a d'autres, en fait, on se demande toujours qu'est-ce qu'on ferait. Enfin, est-ce qu'on va plus jouer le truc qui avantage notre joueur, ou est-ce qu'on dit je joue roleplay à fond, je suis un méchant du mal, qu'est-ce que je fais? Donc voilà, un méchant du mal, ouais, enfin, vous me comprenez, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, donc je dirais... la série télé est très bien. Alors encore une fois, là, ça peut être un bon point ou un mauvais point, parce que du coup c'est vrai que t'as des phases de gameplay, et au bout d'un moment, sans vraiment te demander, on va te faire 20 minutes de série télé. Donc je me dis, il y en a peut-être qui veulent se poser devant leur console pour jouer et pas forcément pour regarder une série, et inversement.
Donc du coup, je me pose un peu cette question. Moi, perso, ça m'a pas gêné, mais je me dis que certains voilà, veulent jouer et n'ont pas envie de faire 20 minutes de cinématique. Et je dirais, en fait, le jeu n'est pas mauvais, il est plutôt moyen sur plusieurs points. Donc finalement, il n'est pas au point d'être indispensable et de justifier à lui-même l'achat d'une Xbox One. J'ai pris vraiment plaisir à y jouer, mais c'est pas la killer app de Xbox One et c'est pas le Uncharted 4 de Microsoft. Ou alors si c'est tout ce que Microsoft a à fournir comme réponse à Uncharted 4, je pense qu'ils sont un peu mal barrés. Mais avec Gears of War voilà. 4 le 16 octobre prochain. C'est ça, mais on n'a pas non plus encore joué à Uncharted 4, mais bon, ça s'annonce bien. Peut-être qu'il y aura une vision du voleur dans Uncharted 4. Oh, putain. Alors, pitié. Deux, trois trucs dont je voulais vous parler sur la version PC. Elle est correcte, mais par contre, il y avait un truc qui m'étonnait. Donc, elle est que en dématérialisée, la version PC. Mmh. Elle était offerte à ceux qui ont précommandé Quantum Break sur Xbox One. Et du coup, on peut l'acheter sur le Windows Store, le store exclusif de Windows 10. Pour la même somme qu'un jeu console, alors que normalement, les jeux PC sont un peu moins chers. Mais bon... Voilà, c'est vraiment un produit emblème de Microsoft parce que franchement, je voulais en parler aussi, dans la série télé, on ne voit que Microsoft, quoi. C'est-à-dire, ils sont tous sur des ordinateurs de Windows 10 avec les gros plans qui te montrent bien que c'est Windows 10. Ils ont tous les Nokia Lumia donc, qui tournent sous Windows 10. On voit pareil des gros plans et tout. Et pareil, toutes les tablettes, c'est la Surface. Enfin, c'est des tablettes Surface. Gros placement de produits pour Microsoft et aussi pour Nissan du côté des voitures. Donc voilà, si ça passait à la télé, il y aurait le petit P en bas. Ça contient du placement de produits. C'est pas grave, mais du coup, ça m'a fait rire parce que. Un univers où tout le monde a des Windows Phone, c'est vraiment un univers de science-fiction. donc voilà, alors la version PC est correcte. Par contre, je me demandais pourquoi il y avait des petits ralentissements en fait, sur le début des épisodes. Parce qu'autant qu'il y ait des ralentissements sur les graphismes, je peux comprendre parce que ça demande... Je sais, voilà. C'est du streaming. Voilà, c'est ça. C'est parce que les épisodes sont streamés depuis les serveurs du Microsoft. Ouais, c'est chaud ça. Donc t'as pas de connexion Internet, t'as pas d'épisode de la série. Ça passe directement à la suite. Je dis pas de bêtises, je sais pas si c'est le cas sur le PC, mais sur Xbox, en fait, ça, soit tu peux les regarder en streaming, soit tu peux les télécharger. Oui. Mais les télécharger, alors je sais pas combien il y a d'épisodes, mais ça représente 75 gigas. J'avais lu 47 gigas, moi, pour les épisodes. J'ai lu 75 gigas. Ça représente effectivement. Alors, en tout cas, sur Xbox en tout One. Cas, même que ce soit 47 oui. au minimum, c'est énorme. Voilà. Mais voilà, mais au moins sur Xbox One, t'as le choix de les télécharger. Ouais. Sur PC, non, t'as pas le choix, parce qu'ils sont peut-être dit que les gens allaient les récupérer, les mettre sur des sites de streaming et tout ça. Oh. Mais ce qui fait que voilà, pas d'internet, pas d'épisode de la série. Si t'as une connexion lente, apparemment t'as plein de buffers. Moi, j'ai la chance d'avoir une bonne connexion, mais j'ose pas imaginer ce que c'est pour ceux qu'on pas. Et j'ai aussi eu de la chance de pas avoir de soucis parce que j'ai vu qu'il y en avait plein chez qui le jeu plantait. Moi, je n'ai eu qu'un plantage et en démarrant le jeu, ça passait quoi. On critiquait la Xbox il y a des années. Vous savez quand ils ont annoncé leur console parce qu'ils disaient que vous serez obligé d'être connecté. Pour jouer, je sais pas si vous vous rappelez de ça, ils disaient que pour jouer au jeu sur Xbox One, vous étiez obligé d'être connecté, mais au fond, parce qu'ils ont dit ça de façon très abrupte et du coup, ils se sont pris un tollé. Oui. Mais au final, ils sont revenus sur ce qu'ils ont dit, mais c'est pas les seuls. Le je veux dire, tu veux jouer à un jeu par exemple PS4, t'as plus de connexion internet, il y a des jeux que tu ne peux pas jouer. Des jeux qui ne sont pas en réseau, hein, je parle bien. Il y a des jeux que tu ne peux pas jouer. Donc, il n'y a pas que qui faisait ça. Et même sur PC, qui devrait être plus libre, si tu n'as pas de connexion. T'imagines, tu n'as pas d'Internet à ce moment-là. Je ne sais pas, c'est coupé, il y a une connerie. Tu ne peux pas voir la série. Enfin, c'est un peu con, quoi. Surtout c'est... que généralement, sur les alors, PC... c'est un cas extrême, ça arrive sur pas. Sur les PC, tu as des gros disques durs. Donc, on m'aurait proposé de télécharger les épisodes. J'aurais dit, quoi. C'est plus agréable. Je désinstalle le jeu après, mais voilà, bon, j'ai pas eu de soucis. Hein, ça stream bien. J'en doute pas. Il aurait suffi qu'il y ait beaucoup de gens qui veuillent les appeler en streaming en même temps pour que ça merde, quoi. Non, je critique pas. Je dis juste que, voilà, aujourd'hui, tout passe par l'autre. Bah, je trouve que c'est pas un bon choix. Et un truc aussi cocasse, c'est que si t'as pas la connexion internet d'activer quand tu joues à Quantum Break, sur PC en tout cas, le héros se retrouve affublé d'un bandeau de pirate. Ça, j'ai pas compris. Un bandeau de pirate avec le symbole, la tête de mort dessus. Donc voilà, donc en gros, tu n'utilises pas la connexion internet pendant que tu joues, t'es un pirate. What the fuck? Quelle est la logique? Je ne sais pas. Ça gâchera peut-être la sale gueule du héros. Le héros a une tête très standard. Voilà, mais vu d'extérieur. Une personnalité très standard. Le mec, il peut s'appeler John Smith, c'est le héros. Enfin, c'est typiquement le héros, mais
Je me disais, j'étais en train de me dire, ouais, mais c'est normal, c'est les jeux américains, c'est comme ça. Puis je me suis souvenu, mais non, en fait, parce que dans Uncharted, le héros est même, et tu, dans The Last of Us aussi, les héros te marquent. Dans Tomb Raider, le héros te marque. On va pas tous les faire, mais voilà. C'est vrai qu'il y a une tête conventionnelle. Moi, j'ai trouvé. C'est ce que j'ai. Le premier truc qui m'a choqué, c'est qu'il a pas une tête vendeuse, le pauvre. Mais il est pas moche. Il a une tête de trop gentil. Oui, en c'est fait. Ça. C'est un peu ça. C'est ça, il a une tête de vendeur à... le vendeur dans un magasin de fringues, quoi. Le mec gentil, le mec standard, qui va pas te faire de mal, quoi. Ouais, ça mais va, qui veut quand même que ton portefeuille soit vide. Voilà. Donc bref, c'est... Voilà, il a la tête de l'acteur de Bref avec plus de cheveux. C'est ça, c'est exactement ça. Bon, bah pour finir, parce qu'il est déjà l'heure, c'est un jeu voilà, qui finalement... C'est un jeu dans lequel... on est plongé dedans parce qu'on est à fond dans l'histoire, on a envie de savoir comment ça continue et tout ça. Par contre, en fait, les phases de gunfight deviennent presque des corvées. Mais bon, après, voilà, on se dit, quelque part, on s'amuse à troller les ennemis en paralysant une grenade qu'ils viennent de lancer dans leur propre bulle. Donc finalement, ça va, quoi, on se fout un peu de la gueule des ennemis et ça passe. Mais voilà, limite, ces phases-là deviennent des corvées entre les phases qui racontent l'histoire et qui, elles, sont vraiment intéressantes. Parce que moi, j'étais dedans dans l'histoire. Et je pense que voilà, si Quantum Break a de l'avenir, c'est mis de plus en tant que série télé qu'en tant que jeu. S'ils faisaient une série télé Quantum Break, je pense que ça aurait du succès parce que c'est carrément dans ce qui se fait un peu en série ces temps-ci et la série est vraiment super bien réalisée, quoi, très très propre et. Et moi j'aime bien ces très bon choix d'acteur. Cross média, il y a le jeu vidéo et la série. Ratchet & Clank, il y a le jeu vidéo, il y a le film. Final Fantasy XV, il y a la série animée, il y a le film, il y a le jeu. Enfin, moi j'aime bien. Moi je suis pour. Moi je suis pas contre tous ces trucs-là. Là-dessus, sur cet aspect-là, une réussite. Voilà, les aspects où c'est moins une réussite, c'est plus voilà, il manque quelques bases au système de gameplay. Et voilà, une dernière chose, j'ai fait un peu ma revue de presse du jeu pour voir si mes avis étaient partagés ou pas. J'ai vu certains médias dire ouais, c'est complètement le renouveau des séquences cinématiques de 20 minutes, ça avait jamais été vu et tout ça. Donc je pense que ces gens ne connaissent pas la saga Metal Gear, manifestement, mais voilà. Donc voilà, bah c'est pas forcément un jeu que je conseillerais. Bah je pense que ceux qui intéressaient ont dû déjà se ruer dessus. Les autres peut-être attendaient un peu. Bon, de toute façon, c'est pas un jeu qui restera. Non, je pense pas que c'est un jeu qui restera. Mmh. Bah après, c'est pas un jeu complètement raté, mais il manque certaines bases. Mais voilà, mais c'est un bon petit plaisir, quoi. Mais du coup, voilà, il est plus. C'est dommage pour un triple A, pour un jeu qui était censé être un des gros jeux de cette année, d'être finalement relégué au jeu qui est sympa, mais qui est pas le jeu qui va complètement te retourner. Et voilà, j'espère qu'il y aura pas beaucoup de jeux comme ça. Ça sera bien 20 balles de casse, quoi. Dans un bac micro. Voilà. Mais seulement sur Xbox One, parce que sur PC, il n'y a pas de version. Merci Pierre-Marie pour Quantum Break, vous savez tout. Merci Nicolas également. Nous, on va se donner rendez-vous la semaine prochaine. On parlera évidemment du jeu vidéo Ratchet & Clank et aussi de Dark Souls 3. Dark Souls 3 qui est déjà dispo, on peut déjà le dire. Hein. Vous pouvez déjà acheter la galette. Nico, un petit mot ? Ouais, très très bien Dark Souls 3, mais j'en parlerai plus. J'ai dit un petit mot, connard. Non, merci Nico, merci à toi. Donc Ratchet & Clank et Dark Souls 3, c'est la semaine prochaine. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas le film Ratchet & Clank, allez le voir dès le 13 avril. Je suis pas payé. Ouais, hein, c'est on gagne pas d'argent sur les entrées. Ouais, c'est que ce vraiment j'aime beaucoup. Ce podcast ne contient pas de placement de produits. C'est que je soutiens Ratchet parce que j'aime beaucoup ce petit gars en tout cas. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Et passez une bonne semaine. Et puis voilà, à la semaine prochaine. Et la musique de la semaine, oui, merci de me faire signaler. La musique de la semaine, c'est Quantum Conundrum. FPS d'énigmes, un peu à la Portal, qui était sur PlayStation 3, il me semble, uniquement. Ouais. Et voilà, du coup, c'est le jeu lui-même était rigolo, mais ce qui est surtout marquant, c'est la musique qui s'affichait dans le menu dès qu'on allait sur le jeu. Donc voilà, super musique. C'est chouette de Pierre-Marie de la musique. Merci à tous et rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, bye bye. Salut. Bisous. Then I flip a switch and Fluffy is everything. Plush and sweet and soft and pink. I flip a switch and Heavy is everywhere. Crash to the ground from out of the air. I flip a switch and time goes down, down, down. Stretching thin and stretching out. I flip a switch and lose the gravity. Light as a feather and floating free. Bang, pow, where am I now?
mystery. What's gonna happen to me? Then I flip a switch and Fluffy is everything. Plush and sweet and soft and pink. I flip a switch and Heavy is everywhere. Crash to the ground from out of the air. I flip a switch and time goes down, down, down. Stretching thin and stretching out. Then I flip a switch and lose the gravity. Light as a feather and floating free. Shiver, shake, what will it take? It might explode, so I better go. Bam, boom, I gotta get through. Can't you see it's a mystery? What's gonna happen to me? Are getting harder, so I fluff them up.